Les filles, pour une belle peau, buvez de l'eau. Buvez de l'eau, c'est très important. Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous passez une très belle journée. Si c'est votre première fois ici, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes au bon endroit. Et si la vidéo te dit, n'hésite pas à liker, à commenter et à activer aussi la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes les vidéos que je mettrai en ligne. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Aujourd'hui, on va parler d'un masque éclaircissant qui va nous éclaircir le visage naturellement. Vous allez vous poser la question de savoir pourquoi je parle tout le temps de produits pour le corps. Je voulais vous dire que pour ceux aussi qui n'ont pas vu ma vidéo, je mettrai ça dans le i où je parlais de produits éclaircissants que j'utilisais. Parce que oui, j'ai utilisé des produits éclaircissants et quand j'ai laissé ces produits-là, j'ai eu des difficultés à retrouver la peau que je voulais. J'ai commencé à utiliser des crèmes, franchement, qui étaient vraiment chères. J'ai pas eu le résultat que je voulais. Et j'ai utilisé plusieurs sortes de crèmes, de masques, jusqu'à ce que je tombe sur les produits qui me vont aujourd'hui. Et ça me fait plaisir de partager cela avec vous parce que je sais aussi combien de fois il y a des filles là qui me regardent dehors qui ont ce genre de problème. Et je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas dermatologue, je ne suis pas nutritionniste. Voilà, c'est juste que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sujet me parle beaucoup. C'est pourquoi je viens partager mes connaissances avec vous. Mais avant de les partager, je fais aussi mes recherches. Je vous invite aussi à faire vos recherches avant d'utiliser ces produits, ces masques qui vont vraiment éclaircir le visage. Ok, donc les filles qui ont la peau vraiment foncée, c'est pas la peine de l'utiliser parce que c'est un masque qui est vraiment éclaircissant. Donc les filles qui ont des taches noires, qui ont des problèmes de visage, qui veulent vraiment éclaircir le visage, qui ont le cou très noir, vous pouvez aussi utiliser aussi ce masque. Ok, j'ai reçu aussi un message d'une abonnée qui me disait comme ça qu'elle avait utilisé un masque, elle n'a pas vu de résultat. Je voulais préciser que, comme je le dis tout le temps dans les vidéos, il y a des produits qui vont avec d'autres, il y en a qui vont pas aller avec d'autres, ok? Et aussi, ça dépend de comment est-ce que vous utilisez ces produits-là. Maintenant, il faut beaucoup boire de l'eau. Pour avoir une belle peau, le secret, c'est beaucoup boire de l'eau et aussi de consommer des aliments qui vont nous donner une belle peau. Oui, parce qu'il y a des aliments qu'il faut consommer pour avoir une belle peau. Parce que si à l'intérieur n'est pas propre, à l'extérieur ne sera pas propre. Même si vous mettez des couches de crème chère, elle ne brille pas, elle n'a pas d'éclat. Parce que la peau aussi, elle vit. Si vous voulez savoir quel aliment consommer pour avoir une belle peau, laissez-moi un commentaire. Je me ferai un plaisir de faire cette vidéo. Aujourd'hui que je vous présente là, les filles, ne prenez pas le temps d'utiliser 3 jours. Vous laissez tomber, après vous dites oui, ça n'a pas marché. J'ai pris la peine de tester ce masque là pendant 2, peut-être même 3 semaines. Il faut connaître son corps. Souvent quand je dis à mes amis que je connais mon corps, je sais qu'est-ce qui ne va pas, les gens commencent à rigoler. Mais c'est pas drôle. Il faut savoir qu'est-ce que tu dois utiliser, qu'est-ce que tu dois consommer pour avoir une belle peau, qu'est-ce que tu dois mettre sur ta peau pour avoir une belle peau. Il faut pas prendre n'importe quelle crème pour venir agresser la peau. Donc ces personnes qui vont me poser la question de savoir est-ce que les produits que je vais vous montrer, est-ce que on doit mélanger ceci, cela, est-ce qu'on doit remplacer cet aliment-là par ceci? Non. Ce que je vais vous montrer, c'est ça qu'il faut faire. Voilà ce que je voulais vous dire, les filles. Je vous laisse la suite de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Soyez positifs. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! On aura besoin du Nescafé, du miel, du vinaigre, du cidre.